Amaremo in Aruboe, Barite Bogori Ruboe, Barite Bogori Pochi Rorivo, Moinai Butoli Rabo. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue aujourd'hui pour parler du houdou. Le houdou, c'est cette percussion qui ressemble à une poterie, cette percussion frappée qui ressemble à un vase. Fait de terre cuite, le houdou est le cousin du gatam. Le houdou, lui, se trouve plutôt en Afrique, notamment au Nigeria d'où il est originaire. Le gatam, lui, vient d'Inde. Et cette poterie va être utilisée comme un petit tambour. On peut frapper soit directement sur la terre cuite, soit sur le trou qui va permettre à l'air de résonner à l'intérieur et de ressortir par un second trou. Ça donne cet effet doux, cet effet rond dans la sonorité du oud ou du gatam. Le gatam, lui, est un petit peu plus gros, mais se joue de la même façon et sa forme est pratiquement la même. Dans la plupart des régions de l'Inde, on l'utilise pour accompagner des musiques tranquilles, des musiques lentes, des musiques enivrantes. Amare moina ruboe. Barite bogori ruboe, barire bogori pochi corribo, moinai butoli ramo. Il y a longtemps, dans les rizières du sud de l'Inde, le riz était si gros qu'un seul grain suffisait à nourrir toute une famille pendant toute une semaine. Et ce riz, en plus d'être gros, lorsqu'il avait décidé qu'il était mûr, se détachait tout seul de sa tige et roulait jusqu'au village voisin pour se jeter directement dans les greniers à grains. Il n'y avait besoin d'aucune culture. Les rizières étaient sauvages et le riz s'y plaisait bien. Il allait nourrir les humains de son propre gré, de son propre chef. Une année, la saison allait être très bonne, car les grains grossissaient, grossissaient. Ils grossissaient tant et tant qu'une vieille du village, lorsqu'elle s'est promenée et qu'elle a vu ça, est allée dire à tout le monde qu'il fallait agrandir les greniers, car sinon il n'y aurait pas assez de place pour accueillir tout le riz cette année-là. Tout le monde a accepté. On a détruit les vieux greniers à grains et on a commencé à construire de magnifiques, de somptueux, de gigantesques greniers pour accueillir comme il se doit tous les nouveaux grains de riz. Oui, mais voilà, les grains allaient être mûrs, le riz était prêt à rouler, mais les greniers n'étaient pas terminés. Lorsque les premiers grains énormes se sont détachés et ont commencé à rouler vers le village, une vieille s'est mise en colère et a tapé du bâton sur la terre. Mais vous ne pouvez pas attendre que nous ayons fini de construire nos greniers? Restez donc dans les champs tant que vous n'êtes pas souhaité. Dès qu'elle a dit ça, les grains ont éclaté en milliers de petits morceaux. Et ils ont dit d'une seule voix: puisque c'est comme cela, désormais, nous attendrons que vous soyez prêts. Les hommes ont fini les greniers, ont ramassé tout le riz qu'il s'était éparpillé, et depuis ce jour, les grains de riz sont tout petits et attendent bien sagement que l'on vienne les chercher lorsque l'on est prêt. Amare moina ruboe, barite bogori ruboe, barire bogori pochi rorivo, moinai butoli rabo.